Président, chers collègues, le texte de cette délibération appelle une observation technique. L'avant-dernier visa fait référence aux décisions de l'exercice 2017 adoptées à ce jour, ce qui est tout bonnement impossible puisque nous sommes encore en 2016. L'aide que vous prétendez mettre en place nous laisse perplexes. Il s'agit, selon vos propres écrits, d'un dispositif venant en complément à celui des fonds sociaux attribués par l'État et qui s'y apparente à un tel point qu'on peine à distinguer l'un de l'autre. Votre texte évoque, entre autres, la possibilité de faire face à une situation exceptionnelle. Or, nulle part cette situation n'est davantage expliquée ni mentionnée dans le règlement de la carte Génération Hauts-de-France. Il semble y avoir là un oubli. Ailleurs, le texte évoque une commission d'attribution composée de deux élus désignés par le président du Conseil régional. Les critères de désignation n'apparaissent pas et nous sommes amenés à douter d'une représentation de l'opposition dans ce type de commission.